septembre emporte les ponts ou telle les sources. Ah bah alors toi, tu ne te mouilles pas. Non, jamais, pourquoi? Apparemment. Non mais septembre est excessif, soit il nous inonde, soit il nous assèche. Oui, c'est un non-choix. C'est pas un non-choix, c'est deux possibilités, un peu excessive. Ok, tu t'en es sorti. Toujours. Bonjour. Bonjour. Errer, ramasser, couper, sculpter et apprendre. La nature est une source d'inspiration et nous devons la respecter et nous adapter. Sommaire. Des romans policiers dont l'intrigue se déroule dans des jardins, Guillaume Le Cornec nous raconte comment ces lieux sont devenus source d'inspiration et les ressorts narratifs qui l'inspirent. Les pariculteurs, c'est une initiative de la ville capitale visant à aider l'installation de projets agricoles dans le tissu urbain tout en valorisant la biodiversité. Dans la vallée de Chevreuse, les jardins du château de Breteuil, ornés de broderies raffinées et de clos fleuris, nous offrent des points de vue splendides sur le paysage. Mais tout de suite, retrouvons Stéphane à la sortie du bois. Il traverse un pont, s'étonne d'un château d'eau aux allures de vaisseau spatial, retrouve son chemin pour rejoindre Pascaline, qui n'a qu'une envie, lui exposer le problème que lui pose son jardin. Bonjour Pascaline. Ça va? Ça va. Ça perçoit un jardin là-bas. Ça fait, c'est là-bas. Ah oui. Ah bonjour Hervé. Bonjour Stéphane. C'est gentil d'être venu nous aider. Ben oui, je suis venu donner un coup de main. Formidable. Mais c'est grand ce jardin. Oui, tout en long. De quelle partie du jardin s'agit-il? Ben on est en train de refaire la véranda. Ouais. Et on aimerait aménager ce petit coin devant pour que ça soit plus agréable. Ah oui. On sera ici et puis même sur la terrasse. Non, non, mais je comprends, ça va devenir une pièce à vivre. Voilà. Et on a envie d'avoir une vision qui soit un peu plus agréable que celle-ci qui donne sur la compostière. Tout à fait. On ne voulait pas le mettre au fond du jardin, c'était trop loin. Ouais. Et puis c'est à l'ombre, enfin c'était l'endroit idéal en fait, mais du coup on a vu sur le compost. D'accord. Ensuite, si on se tourne de ce côté-là, il y a un joli mur, hein. Oui, et, ça fait un peu piscine en fait, je trouve. Ah ben oui, du carrelage. Et puis là, pouf, 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 4 carrés. Voilà, un petit potager. Oui, avec des fraisiers. Là, je sais pas ce qu'il y a, mais c'est peut-être pas la saison. Bon, pour les tomates. D'accord. Bon, je crois qu'on va s'installer ici et réfléchir à tout ça. Installation, réflexion sont les deux préliminaires à la composition d'un dessin. Ce que je trouve intéressant, c'est ces deux arbres-là qui sont en premier plan et qui masquent un peu le fond du jardin, qui est un peu dédié aux filles, avec le portique, le toboggan, les cabanes. Donc sur la même ligne, on va ajouter des arbustes devant cette compostière. D'accord. Oui, l'idée, c'est d'alterner comme ça des arbustes persistants et des arbustes fleuris au printemps. Ah, parfait. Et là, on va essayer de travailler le terrain. C'est-à-dire que pour éviter que l'eau ruisselle tout de suite comme ça, on va travailler en terrasse. Ah, très bien ça. Donc, ça fonctionne comme des marches, avec forcément des nez de marche. Oui. Mm-hmm. Et les nez de marche vont être plantés en haut avec des ilex. Ça va comme des buis, tu vois, qui vont faire une sorte de bande verte. Et en bas, avec des plantes grises, qui seront moins formelles et moins raides. D'accord. Mm-hmm. Ensuite, l'idée, c'est de ponctuer ça d'arbustes persistants pour la plupart. Petites choses, comme ça. Moi, je verrais bien un laurier sur tige, pour avoir une verticale, d'être un peu graphique. Et un petit cerisier fleur. Parfait. Ensuite, j'ai même envie de planter des conifères nains. Et lorsqu'on va arriver au premier plan, juste au nez de la véranda, on va évidemment planter des choses beaucoup plus basses, des plantes vivaces, des fougères, oui. Des choses comme ça qui seront tout près des yeux et qui ne vont pas planquer ce qu'il y a derrière, c'est logique. Ouais. Ensuite, on va passer contre le mur et moi j'ai envie d'installer deux bacs. Ouais. Voilà, super. À peu près de la couleur du mur. D'accord. Et dans ces bacs-là, il y a une plante grimpante, une clématite montana en fleurs. Et comme il y a du soleil longtemps, on va installer un feijoa. Feuillage gris, formidable. Et à côté, un pistachier. Pistachier lentisque. Ça va permettre franchement de faire un peu disparaître ce mur. D'accord. Et puis peut-être de lavande au pied. Est-ce que tout ça vous motive carrément à jardiner? Carrément. Ah oui, parfait. Ah oui. Formidable.
Il y aura du labour dans une terre plus collante que du mastic, la reprise d'un puits de drainage pour évacuer l'eau des pluies, de grands arbustes derrière, d'autres plus petits devant, des fleurs qui se mangent, et 2 ans plus tard, un retour pour voir comment tout a poussé et entendre le mot de la fin. Vraiment, ça fait un cocon maintenant. Carole, et si nous retrouvions Jeune Pousse, notre série sur les initiatives écologiques? Oui, mais là, je ne t'emmène pas au vert, Stéphane, je t'emmène dans un bureau. Et oui, la nature s'infiltre dans nos espaces de travail à travers des potagers collaboratifs. C'est ce que souhaite développer Cyprien Gambert. Non mais quelle entrée, Cyprien! Mais qu'est-ce que tu transportes tant? Bonjour Carole, alors je transporte mon matériel pour un atelier de jardinage non loin d'ici. D'accord, alors toi tu as eu l'idée de faire des potagers en entreprise. Ouais. Quand tu étais en colocation, j'ai lu. Bah exactement, tu sais, j'avais un potager sur mon balcon avec mes colocataires, on cultivait des salades, des radis, des tomates et on trouvait ça assez merveilleux et en fait en discutant, on s'est dit bah, pourquoi pas en entreprise et en entreprise, bah, en fait tout le monde y gagne parce que à la fois les collaborateurs parce qu'ils sont épanouis dans des espaces vivants qui évoluent, l'entreprise parce que ça favorise la cohésion et puis ça favorise la créativité et puis bah, la planète puisque ça permet à la biodiversité de reprendre ses droits en ville. Eh bien on va aller voir les potagers d'entreprise, je te suis, alors par contre je n'ai pas de vélo donc il va falloir pousser, c'est okay, on y va, pas de soucis, un peu de marche. Allez go. Just in case I see your face, I'm gonna buy a drink and while I wait, I'ma eat my cake. Alors Cyprien, on s'attendait à voir un potager d'entreprise comme celui-là, mais en fait tu fais aussi des ateliers, c'est ça? Tu accompagnes les gens qui sont à former dans les entreprises? Ouais, c'est ça, exactement. Notre méthode, en fait, c'est 3 points. Donc, c'est justement la première, c'est l'accessibilité avec des potagers design et sur mesure adaptés en extérieur et en intérieur, en ville. Et ensuite, c'est la formation. On va former des équipes de collaborateurs jardiniers pour qu'ils soient capables de prendre en main leur projet. Et la dernière partie, c'est l'accompagnement. En fait, on va les accompagner à distance et on va aussi proposer des ateliers au fil de l'année pour pouvoir suivre les différentes étapes de croissance des plantes. Donc, ça veut dire que là, les plantes qu'on a juste là devant nous, eh ben, tu les as plantées avec la même équipe? Tu es partie de la graine? Exactement. On a semé la graine avec l'équipe il y a 3 mois et demi, 4 mois, les plantes ont poussé et maintenant on vient les repiquer, une partie pour le potager de l'entreprise dans cette cuisine et une partie pour les collaborateurs pour qu'ils puissent continuer la démarche chez eux. Et ils repartent avec. C'est ça. Est-ce que tu as une formation particulière pour justement donner ces cours de jardinage? Eh bien, au départ, moi je suis de formation commerciale et ensuite je suis reparti me former dans une école d'horticulture. Donc j'ai passé un brevet professionnel de responsable exploitant agricole, ce qui m'a permis d'avoir des bases théoriques, mais aussi d'aller faire des stages dans des fermes, sur le terrain, pour bien connaître le métier et l'horticulture. Quels sont les bienfaits pour les salariés de mettre la main dans la terre sur leur lieu de travail? Ça permet d'organiser justement ces ateliers d'équipe où on peut échanger, où on se retrouve et ça permet aussi d'échanger sur des choses différentes. C'est ça que j'aime beaucoup sur le potager. C'est que finalement, c'est un sujet de conversation qui évolue chaque jour et donc ça permet de tisser des liens en parlant de sujets autres que le forcément dossier Intel, etc. Voilà. Okay. Cyprien, dans Jeune Pousse, à chaque fois, on donne un conseil à nos téléspectateurs, un geste écolo à suivre. Quel est le tien? Pour rester dans l'univers du jardinage, je pourrais conseiller de composter. Ça permet ensuite de jardiner et d'avoir son propre compost maison. Ok, très bien. Merci Cyprien. On va aller aider. Il en reste un petit peu à repiquer. Allez. Du lien autour du jardin, ça vaut largement le baby-foot et la cafette. Ah, ça marche tout autant, c'est vrai. Et alors, pendant le confinement, il y a une des employées qui est retournée chercher les plantes et qui les a mises chez elle. Donc vraiment, ça donne une conscience écologique, une envie de jardiner. Donc c'est un très beau projet. À présent, je vous propose d'enquêter sur Guillaume Lecornec, auteur de Polar, mais aussi directeur d'une collection jeunesse. Il mêle botanique et suspense. Le polar, tel que je l'écris pour les enfants, c'est à mi-chemin entre le roman policier et le grand roman d'aventure. Le pain Volémy, c'est un des personnages principaux du roman, donc Enquête au jardin des empoisonneurs, qui est le premier volet de Polar Botanique de la série.
Le pin volémi, il a une histoire de dingue. En fait, c'est un arbre dont on pensait qu'il avait disparu au moment des dinosaures. Et en fait, on en a retrouvé. Et ça, c'est un rejeton. Donc, il y a plusieurs jardins qui en ont récupéré pour essayer de sauver l'espèce, qui est évidemment en voie de disparition et sur la liste rouge des espèces menacées. Et j'ai commencé à brosser une petite histoire policière autour des plantes rares, avec des multinationales et du net et des pesticides qui essayent de mettre sous cloche le vivant et qui commencent par les espèces les plus menacées pour pouvoir, derrière, faire main basse sur tout le vivant. Les pins volémis, j'en avais jamais entendu parler avant de commencer à bosser sur cette histoire. Bon, c'est vrai que quand tu arrives sur un arbre qui normalement est un fossile depuis 70 millions d'années, il y a un truc qui se passe. Pour un romancier, c'est du pain béni. L'idée du polar botanique, c'est vraiment d'essayer d'attirer les enfants sur la découverte des plantes. Après, le polar, c'est un outil de dingue pour faire ça, parce qu'on ne s'ennuie pas. Il y a tout le temps des rebondissements, ça va vite. Mettre les plantes au centre des intrigues, ça permet de faire des petits clins d'œil aux vieilles séries anglaises où les mamies s'empoisonnent, comme dans les vieux Agatha Christie, où il y a toujours un meurtre, où on met une plante qui vient d'Asie dans une tasse de thé. Donc l'idée, c'était de me dire, si jamais on arrive à faire des grands jardins de centre-ville et de ville, des endroits où les enfants viennent regarder un peu le vivant, et qu'en plus, ils aient envie, eux, d'en apprendre un peu plus, peut-être qu'on va orienter les enfants sur une défense de la biodiversité qu'il faut maintenant commencer à muscler. Salut. Bonjour Guillaume, ça va ? Ça va et toi ? Ouais, je suis dans les Angéliques, tu vois ? Ouais, je vois ça. Moi, c'est ma plante, c'est un peu comme ça que je suis arrivé à la botanique, moi. Les Brongéliques, c'est quand même une plante qui est attachée à l'histoire de Nantes et de la botanique à Nantes. Hein. Ah, mais il y a du monde, hein. Ah, mais c'est incroyable. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de monde. Hein. L'histoire des plantes est déjà foisonnante par leur diversité, leur capacité à transformer les écosystèmes, et puis aussi par les gens qui les ont découvertes ou qui ont travaillé dessus. C'est vrai qu'on a des personnages fous. James Lloyd, le découvreur des Angéliques, était un chanteur d'opéra raté, qui est devenu un des plus grands botanistes de sa génération au 19e siècle. C'est des personnages de romans déjà. Quand je viens au jardin, moi, c'est moins pour ficeler l'intrigue que j'ai déjà en tête. Et moi, généralement, j'ai des idées entre 4h et 6h du matin, donc le jardin est fermé. En revanche, je viens confronter ce que j'ai imaginé comme scène ici. Et ici, en fait, on vient plutôt établir le processus descriptif du bouquin, ce qui va supporter l'action, une organisation spatiale du jardin qui puisse fonctionner avec l'intrigue que j'ai envisagée. Les histoires que je peux écrire sont, j'espère, un peu extraordinaires et un peu survoltées. En revanche, tout ce qui les soutient et toutes les informations sont documentées. C'est là, en fait, qu'on arrive à jouer quelque chose qui est crédible, tout en ne l'étant pas, mais qui l'est quand même parce qu'on est assis sur une réalité que les gens vont reconnaître. Les envies de meurtre de Lucas gagnent en force et en intensité. Emma, sa comparse ronronnaise à ses côtés. Connaissances et concepts biologiques étaient pour elle un carburant spatial qui la propulsait au paradis des dingos. Ainsi, le nom binomial de l'amande poivrée sera Manta piperita ou Manta piperata. Moi, mon envie profonde quand j'écris un livre, d'abord, c'est de faire une bonne histoire. Ça, c'est la première chose, c'est le truc qui me motive. Et puis, ce que je vise, c'est que les enfants prennent du plaisir à lire et à découvrir des choses, et d'abord de la littérature. J'espère que j'en fais un peu et que voilà, jouer avec les mots, ça les intéressera aussi. Tom Sawyer, voilà, moi j'ai lu ça quand j'étais enfant. Et je le relis tous les 2-3 ans. Pour moi, c'est un des plus grands romans naturalistes qui existent. C'est-à-dire que c'est un roman qui se passe tout le temps dehors. Évidemment, ils font l'école buissonnière. Ils sont en plein cœur du Mississippi. Donc, on est tout le temps dans la nature. C'est une ode à la liberté. Écrire, c'est aussi une manière de se documenter et d'apprendre des choses, finalement. On écrit parce qu'on a des trucs à dire ou on pense qu'on a des bonnes histoires en tête.
Mais on écrit surtout parce qu'on a envie de connaître de nouvelles choses et de défricher des territoires, quoi. Enfin, pour moi, l'écriture, c'est reculer un peu les frontières. Sawyer. Quand j'étais petit, il me faisait peur, c'est, j'avais peur. J'aimais pas ce truc-là parce que, enfin, à la télé, hein, parce qu'il était toujours poursuivi, c'était affreux. Affreux, des trucs à faire des cauchemars. Oh, on va parler de choses plus douces alors, on va parler de Scabieuse. Mais tu sais comment les Anglais, ils l'appellent? Non, je sais pas. La veuve lugubre. Ah bah décidément. C'est d'un goût. On est dans le polar là. Hein. Oui, absolument, nous sommes dans le polar, mais... Franchement, j'adore celle-ci. Celle-ci s'appelle Scabiosa, Scabieuse, Incisa, Kudo White. Elle est d'origine japonaise. Et je trouve qu'elle est délicieusement belle. Regardez les planches comme ça, avec une petite teinte de rose. Et moi, j'aime bien la Scabieuse en fleurs, mais aussi séchée, bah tiens, dans les bouquets. Tu vas pouvoir faire sécher ça, ce sera ravissant. Trop bien. Mais en fait, les Scabieuses sont des plantes qui poussent un peu partout dans le monde, au Japon, et puis aussi dans les montagnes, beaucoup dans les montagnes. C'est des plantes qui se plaisent dans des sols très pauvres, dans des sols exposés plein sud, tu vois. Elles ont la vie dure, elles sont sobres, elles ne demandent pas beaucoup d'eau. Et c'est pour ça que nous les aimons, parce que nous aimons ne plus arroser. Voilà, donc ici, il y en a des variétés qui sont installées depuis quelques temps et j'avais envie de les accompagner avec celle-ci. Donc la plantation est complètement rudimentaire. J'ai fait une fosse deux fois la taille du pot, si tu veux bien dépoter la bestiole. Double pot là, double pot. Merci. Voilà. C'est parfait. On va l'installer. Ce qui compte vraiment, c'est le soleil. Elles se nourrissent de soleil. Voilà, c'est tout simple, sans ajout de terreau, sans rien. Ce sont vraiment des plantes sobres et simples à vivre. Je me demandais pourquoi tu avais amené du gravier. Je pensais que tu voulais plus drainer le sol. C'est parce que, vois-tu, septembre, c'est aussi le moment de bouturer les Scabieuses. Donc tu vas me passer les ciseaux. Ok. Merci. Et je vais aller chercher là, au pied de la plante, parce que de toute façon, en fin de saison, crac, tu rabats tout le monde. Tu tailles tout ? Oui, en octobre, hein, quand elles finissent leur floraison. Donc là, je vais aller chercher quelques départs de tiges à leur base et on va voir ce qu'on va pouvoir faire avec. D'accord. Voilà. Donc, le principe, c'est de bouturer ces scabieuses dans des pots qui font à peu près 15-20 cm, au fond desquels nous allons déposer des tessons de pot, puis un peu de gravier de façon à constituer un endroit qui soit bien drainé, et puis rajouter du terreau. Tout simple. Tout simplement. Allez, tu t'occupes des graviers ? Oui. Je m'occupe du terreau. Après, l'idée, c'est de supprimer déjà toutes les inflorescences. Qu'elles soient fanées, qu'elles soient en boutons, qu'elles soient à venir. Alors, ce qui est amusant, c'est de constater qu'à la base des tiges, il y a déjà des racines naissantes. Ce qui va se passer, c'est que nous allons installer nos boutures à l'ombre d'un mur. Ouais. Et puis à l'abri du gel ensuite, pendant l'hiver. Elles vont s'enraciner tout doucement. Et au printemps, nous pourrons les transplanter directement dans une plate-bande. Dernière chose, les scabieuses se sèment lorsqu'elles sont en fleurs. C'est-à-dire que c'est une plante qui germe d'autant plus facilement que ses graines sont relativement fraîches. Donc si tu as, par exemple, dans ta poche, je suis sûr qu'il se passe quelque chose. Mon téléphone ? Non. Ah ! Qu'est-ce voilà, que c'est ? Voilà, j'ai glissé un paquet de graines de scabieuse. Tu fais de la magie, je m'en suis pas aperçue. Non, j'anticipe la magie. J'adore cette variété, elle a des fleurs noires avec des tout petits pistils blancs bleutés, c'est splendide. Donc je vais préparer la terre. Ouais. De manière à les semer dans la plate-bande, puisqu'elles se sèment en pleine terre au moment où elles sont en fleurs. Donc je vais bien ameublir le sol, ajouter un tout petit peu de terreau. T'en veux beaucoup ? Voilà, 3 ou 4, j'irai en mettre ailleurs. Toc toc, bon, je sème. Et du coup, tu n'arroses pas ? Bah, pour induire la germination, il faut que le sol soit un peu humide tout de même. Ah, quand même. Bah oui. Donc voilà, je mets un petit bâtonnet, quelque chose, pour repérer l'endroit où j'ai semé mes scabieuses, de manière à ne pas remettre de paillis à cet endroit, puisque c'est là qu'elles vont germer. Et l'année prochaine, nous aurons 1, 2 et peut-être 3 couleurs de scabieuses. Carré VIP des scabieuses. Very important, petite chérie.
Ok, mais on reste en France, Stéphane. Nous allons à Paris pour parler des pariculteurs. Et oui, c'est un programme qui encourage le lien social, mais aussi les nouveaux agriculteurs urbains. Un potager avec vue sur la Tour Eiffel. Nous sommes sur la pelouse du siège de l'UNESCO, une institution notamment engagée pour la biodiversité qui accueille des pariculteurs. Une installation toute récente. C'est un potager tout à fait inattendu pour les collaborateurs de l'UNESCO et probablement aussi les voisins. Et en même temps, c'est un potager qui paraît totalement évident. En fait, je pense que dans pas longtemps, les collaborateurs de l'UNESCO diront comment c'était avant qu'il y ait le potager. L'opération des pariculteurs a été lancée il y a 4 ans par la mairie de Paris. Paricultrice depuis peu, Anouk Barka est aussi à la tête de la toute jeune Association française de l'agriculture urbaine professionnelle. Les pariculteurs, c'est une opération pionnière. C'est une ville qui ouvre une multitude de sites à la culture et aux projets d'agriculture urbaine de façon générale. Ça, c'est innovant, ça s'est jamais vu. Ça offre la possibilité à beaucoup de porteurs de projets de s'installer et sur des sites très variés. Donc très clairement, c'est une étape très importante dans le développement de l'agriculture urbaine française. L'opération des pariculteurs en est aujourd'hui à sa 3e saison. Chaque fois, la mairie propose une quarantaine de sites, les porteurs de projets candidatent et les lauréats sont connus 3 mois plus tard. Un concours qui a permis d'installer 70 fermes et potagers un peu partout en ville. Parmi les premiers pariculteurs, Pépin Production, une pépinière de quartier associative qui a décroché 2 sites au cœur de la capitale et a ainsi pu développer son activité. L'idée de Pépin Production, c'est d'accompagner le mouvement de végétalisation, donc aussi bien professionnel que citoyen, et en fait de proposer des plants cultivés localement, de façon écologique et dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. C'est vrai que quand on a vu le premier appel à projet pariculteur, il y a 30 sites, on s'est dit, bah oui, là c'est concret, 100 hectares de végétalisation, 30 hectares de maraîchage. Ces maraîchers, ils sont concentrés sur la production de légumes. Où vont-ils trouver leurs plants? Est-ce qu'ils vont être en capacité de travailler avec des variétés reproductibles? Et du coup, avec Pépin Production, c'est ça qu'on a voulu offrir aux pariculteurs. Là, on a évalué notre production annuelle à peu près 35 000 plants. On pense qu'on a produit au moins 100 000 plants depuis qu'on existe. À peu près la moitié des commandes sont des particuliers qui viennent acheter des plantes pour leur jardin, leur balcon, leur balconnière. Et puis 50% qui sont dédiés aux professionnels. Merci beaucoup. Salut. Donc on est content de savoir qu'on a participé à la végétalisation de Paris. Les pariculteurs, c'est vraiment un coup de pouce pour l'agriculture urbaine. Ça la rend très visible, ça la rend visible dans une capitale et dans la capitale d'un pays où l'agriculture et la culture sont très importantes. Donc c'est symboliquement très fort et c'est empiriquement concret. On est dans des parkings, on est sur des toits, on est dans des friches, on est sur des anciens réservoirs d'eau. Et on va retrouver tous les parcours, tous les âges et on va retrouver du côté des techniques de culture, toutes les techniques de culture possibles. C'est un concentré de la diversité possible des agricultures urbaines. Quant à la production des pariculteurs, elle peut être destinée aux salariés du site comme à l'UNESCO ou bien encore vendue à des professionnels, qu'ils soient fleuristes ou restaurateurs. Ou tout simplement proposée aux Parisiens, comme c'est le cas sur ce micro-marché de l'Est de la capitale. Proposé du circuit ultra court, c'est ce qui fait notamment la saveur de cet autre projet qui vient tout juste de prendre racine. Ici, on est sur le toit en fait, des écoles de cuisine de Thierry Marx et on est venu implanter une ferme urbaine sur 800 mètres carrés où on vient produire des fruits et légumes qui vont être directement destinés pour l'école de cuisine qui est en dessous. Donc il fallait avoir une production assez variée. Plutôt on s'est orienté ce qu'on appelle sur l'ultra frais, c'est-à-dire on s'est orienté sur tous les produits frais qu'alimente le restaurant. Donc on va avoir les tomates, tout ce que les herbes aromatiques,
les légumes feuilles. Mais par contre, on ne va pas faire les céréales ou la pomme de terre. Et donc, on a essayé d'avoir, en solanacées, plutôt tomates, poivrons, des cucurbitacées, donc courges, concombres, et après, des fraises, beaucoup de fraises. C'est la marocaine, celle-ci ? Ah, pour le coup, pour la cuisine, ça va être très chouette. On va pouvoir monter, cueillir directement ce dont on a besoin. Et puis, passer les ingrédients vraiment du tout à l'assiette directement, quoi. Donc, pour les stagiaires, ça va être un très bon exercice, je pense. On va se servir de ça, en fait, pour leur faire découvrir des herbes qu'on trouve pas forcément partout. Donc, ça va leur permettre, effectivement, de découvrir pas mal de produits, les thym citronnés, l'estragon frais, ben, tout le monde ne connaît pas. Hey, bonjour ! C'est la livraison de Prépa Production. Regarde, tu t'es amené des concombres. Top. Magnifique. Les pariculteurs ont créé une communauté. On travaille avec Amélie pour justement avoir ces plants, ces bons plants qu'on vient directement planter ici. Comme là, en plus, le secteur de l'agriculture urbaine est en plein boom, bah, on est plus tous à s'entraîner. Et tant que c'est en plein boom, de toute façon, on n'est pas du tout concurrents. On travaille vraiment ensemble, main dans la main, pour végétaliser la ville. Une communauté qui va encore s'agrandir, puisqu'une dizaine de nouveaux sites devraient bientôt être ouverts à de nouveaux projets. On quitte Paris pour un pays plus exotique, je crois. Le Chili ! Le Chili, enfin le large du Chili, 4000 milles des côtes, quelque chose comme ça. En fait, voilà, les plantes, nous les aimons parfois parce qu'elles sont belles. Celle-ci l'est relativement. Ah oui, beaucoup, hein. C'est beau, hein. Et puis aussi parfois pour les histoires qu'elles nous racontent. Alors celle-ci, elle nous raconte une histoire que j'adore. En fait, elle est originaire des îles Juan Fernandez. C'est donc au large du Chili, dans le Pacifique. Mais c'est vraiment au large. Hein. Et au large, et dans une petite île volcanique dont le nom est l'île de Robinson Crusoe. Parce que vois-tu, c'est là que Alexandre Selkirk a échoué et a vécu pendant 5 ans. Et c'est de ce monsieur, de son aventure, que Daniel Defoe s'est inspiré pour écrire Robinson Crusoe. Je vois pas le lien avec la plante. Cette plante pousse sur cette île, ouais. Et seulement sur cette île. Mais elle est dans le livre. Elle est dans le livre d'une certaine manière. En tout cas, elle a participé de la vie d'Alexandre Selkirk, puisqu'il s'est nourri de ses feuilles. Les Anglais appellent cette plante l'arbre chou. Parce que ces feuilles sont comestibles. Et effectivement, on pourrait imaginer qu'elles sont un peu comme la texture des feuilles de chou. C'est vrai qu'elles sont épaisses, hein, et grosses. Ouais. Et son vrai nom, c'est Dendrocerise littoralis. C'est une plante de la famille des Astéracées. Elle fleurit, elle nous fait des espèces de petites marguerites oranges. C'est ravissant. Et figure-toi qu'ensuite, les chèvres sont arrivées. J'aime pas trop les chèvres, moi. Les chèvres sont arrivées et ont fait chou gras de cette plante. Oh, jeu de mots. Jeu de mots, à tel point que dans les années 80, cette plante qui ne vit que sur cette île, elle est endémique à cette île. On ne la trouve nulle part ailleurs dans le monde. Cette plante a failli disparaître. Il n'en restait que 3 exemplaires seulement. Des graines ont été collectées, envoyées partout dans les jardins botaniques sauvetage, du monde. Quoi. Sauvetage, sauvons Dendrocerise littoralis. Et là, le travail a été tellement bien fait qu'aujourd'hui, il est même possible de trouver des plantes en pépinière. Et c'est là que j'ai acquis cette plante. Alors là, j'adore. Cette plante rentre dans ton top 5 de ta collection parce qu'il y a histoire et esthétique. En plus, elle pousse en pot. Donc nous allons l'installer dans un pot, mais pas n'importe comment. L'île est volcanique, c'est pourquoi nous allons drainer le fond du pot. Puzzolane. Exactement, avec de la puzzolane. Et nous avons alors un petit tesson au fond du pot, quelques centimètres. Voilà. Il faut imaginer qu'elle pousse sur les roches. Face au littoral. Ouais. C'est très étonnant. Hein. Ensuite, nous allons mettre un petit peu de ce mélange. Terre de bruyère, terreau, compost et un peu de puzzolane broyée. Un seau de chaque et un demi de puzzolane. Exactement. Voilà. Tu veux bien dépoter notre Dendrocerise littoralis ? Notre star. Notre star du jour. Imagine-toi qu'adulte, la plante va mesurer 2,50 m. Et ses feuilles peuvent atteindre la dimension d'à peu près 50 cm. C'est beau. Malgré le fait qu'elle pousse sur les rochers, elle est gourmande en eau. Donc il faudra surveiller les arrosages. En plus, hier, tu vois, je l'ai installée trop au soleil. Et là, il y a une feuille qui a brûlé. Il y a quelques taches comme ça sur la feuille, c'est un peu dommage. Donc elle ira dans une situation à mi-ombre pendant tout l'été. Et elle rentrera à la mauvaise saison pour ne pas craindre les -4 degrés qui lui sont fatales.
Ah oui, c'est pas beaucoup. Hein. C'est une plante qui a aussi la réputation de bien se comporter dans les appartements. On ne va pas être en extinction longtemps. Hein. Je crois pas. Non, je crois que tout le monde va vouloir avoir cette. Dendrocérise littoralis. Très bien Stéphane, il n'est plus question de plantes exotiques, mais de boules de buis et d'ifs, puisque nous allons nous balader au château de Breteuil, avec Stéphane bien entendu comme guide. Vous allez voir, il règne un petit parfum de liberté. Au cœur de la vallée de Chevreuse, le château de Breteuil est à la fois un lieu façonné par l'histoire et un lieu où se fit l'histoire. Élégant, raffiné, parfois grandiose, il sait nous surprendre entre les grands parterres classiques, ses charmants jardins fleuris et sa façon d'embrasser le paysage. Jean-Emmanuel, le château de Breteuil est installé sur un site qui a une très très longue histoire. Oui, il est habité depuis très longtemps puisque déjà les Romains s'étaient installés sur ce site. Il y a eu ici un château fort au Moyen Âge, puis ce château fort a été rasé en 1596 et le château actuel a été construit entre 1604 et 1610 dans un style pierre et brique qu'on appelle le style Louis XIII. Mmh. Voilà. La cour d'honneur a été dégagée des murs au XVIIIe siècle parce qu'elle était à l'origine complètement fermée, on ne voyait pas les jardins. Et puis, dernière phase d'agrandissement, les deux ailes en retour sur la cour d'honneur ont été ajoutées au XIXe siècle. Et cette cour, elle a une particularité, cette cour d'honneur. Tout à fait, elle a la particularité d'être plantée. Et normalement, la règle dans les châteaux classiques français, on ne doit pas planter une cour d'honneur. Et Henri et Achille Duchesne ont fait une vraie exception à la règle en mettant ici pelouse et dentelle de buis. Les frères Duchesne, qui sont des grands paysagistes de la fin du 19e siècle, sont intervenus ici pour tout remanier. Complètement. Avant, il y avait un parc à l'anglaise. Et puis, à la fin du 19e siècle, Henri et Marcellita de Breteuil, nés Garner, ont mis à profit la fortune de Marcellita pour faire d'énormes travaux. Et dans les extérieurs, ils ont demandé aux Duchesne donc, de créer des jardins à la française dans l'esprit de Lenôtre. Alors ici, le terrain descendait assez vite, en pente, et donc il y a eu d'énormes travaux de terrassement pour faire cette grande esplanade avec au centre ce miroir d'eau. Il y a une particularité au pied des Vasques. Au pied des Vasques, vous avez ces mosaïques de buis. Et c'est vraiment une particularité à Breteuil. Des mosaïques qui se sont formées naturellement, avec juste le passage des jardiniers. Il y a eu comme ça des dessins dans les buis. Ce n'était pas dessiné à l'origine. Ça s'est créé naturellement au cours du XXe siècle. L'ancien potager était un peu abandonné. Très abandonné. Il y avait juste au milieu de cet ancien potager le bassin d'arrosage du XVIIe. Donc il fallait vraiment faire place nette et repenser un jardin qui soit un jardin d'agrément pour les visiteurs. Et Séverine de Breteuil, donc en 90, a redessiné un jardin de fleurs et de plantes vivaces, respectant un peu l'esprit du potager, c'est-à-dire avec des chambres de verdure, des carrés. Le bassin au centre et les tout carrés qui sont distribués. Exactement, tout voilà. Donc ça, on retrouve, sauf qu'au lieu d'avoir des légumes, on a des fleurs. On a les terrasses à l'italienne. Autrefois, il y avait sur la terrasse où nous sommes ici des graminées qui avaient pour but de nourrir les volailles de la ferme. Et dans la terrasse en contrebas, où il y a maintenant un labyrinthe, eh bien, il y avait autrefois des bassins de pisciculture. Donc vous voyez que le domaine vivait complètement en autarcie, avec ses fruits et ses légumes, ses graminées pour les poules et les canards, et puis du poisson. Lorsque nous sommes au bout du bassin, nous comprenons que nous sommes ici sur une ancienne place forte parce qu'il se dégage devant nous une vue absolument splendide. Là, on domine complètement la vallée de Chevreuse. Alors, le parc descend maintenant en pente un peu plus abrupte. Tout d'abord, jusqu'à un deuxième petit bassin qu'on appelle la Grenouillère. Et puis ensuite, ça descend encore plus abrupte vers deux étangs romantiques qui sont dans le bas du parc. Et nous avons créé un sentier qui s'appelle l'allée Séverine de Breteuil en hommage à ma tante qui a beaucoup fait pour les jardins ici. Et alors dans les promenades du parc de Breteuil, il y a aussi le sentier des arbres remarquables. Une quinzaine d'arbres sont vraiment à aller voir et qui sont une particularité de ce parc de Breteuil. Le parc de Breteuil est fort visité et c'est ce qui a permis que tout retrouve cette fraîcheur. Oui, Breteuil en 2019 a accueilli 140 000 visiteurs. Donc c'est vrai que ça permet l'entretien du parc, l'entretien du château. Et puis les visiteurs viennent pour se ressourcer dans la nature, un peu de culture avec l'histoire de France
et puis la féerie des contes de Perrault, puisque nous avons également dans les dépendances toutes les scènes de contes de Charles Perrault, qui, bien avant d'écrire les contes, avait été le bras droit d'un de nos ancêtres, Louis de Breteuil, au ministère des Finances de Louis XIV. Vous voulez bien m'expliquer la motivation et l'envie d'offrir la visite du château, des jardins aux visiteurs? Eh bien, cette motivation, pour moi, a toujours existé depuis que je suis très jeune, parce que lorsqu'on a un château, ou vous ouvrez les grilles à tout le monde, ou alors vous les fermez à vous-même. Et j'ai estimé depuis toujours qu'il fallait ouvrir les grilles à tout le monde. Donc depuis 1969, le château est ouvert au public et le public y est chez lui. Il peut pique-niquer et ce château, finalement, il est, comment dire, c'est le château pour tous. Venir un samedi d'été, simplement pour le plaisir de marcher pieds nus dans l'herbe, pique-niquer sous des grands arbres, se promener jusqu'au lac à l'ombre des futaies, faire un plongeon dans l'histoire du château, se perdre dans les contes, Breteuil et le château pour tous ces moments de bonheur. Rendez-vous avec le merveilleux arbre de la semaine. Oui, il est merveilleux. Ah oui. Et son nom, c'est Myrtus luma. Il est originaire du Chili. Décidément, le Chili nous envoie des merveilles. C'est un arbre qui a un autre nom, Myrtus apiculata, parce que les abeilles l'adorent. Il n'y en a pas, là. T'es jamais contente, toi. Non, mais elle n'est jamais contente. Ah, attends, il y en a une qui est passée. Ouf, je suis sauvée. Mais c'est pas l'heure, elles sont là en train de ventiler la reine. Attendez, je ventile alors. Non, non, mais ça va. C'est une année de dingue, une année de dingue. Son feuillage est persistant. La floraison intervient entre juillet et septembre. Le parfum est absolument divin. Elle va aimer une exposition plein soleil, un sol riche, drainé, mais frais. C'est une plante aussi qui va se plaire dans les climats océaniques. Voilà, il lui faut un petit peu d'humidité comme ça, sous les feuilles. Elle va mesurer alors 3 mètres ici, mais j'en ai vu un dans un jardin que nous verrons bientôt qui mesurait 6 mètres de haut, wow, au bord de la mer. C'était sublime. Et il était taillé comme toi? Non, il était complètement libre. Celui-ci, en fait, je ne comprenais pas comment il allait se comporter. Et ses branches étaient en train de s'étaler, de tomber. J'ai décidé de le traiter en nuage parce que ces myrtus sont des plantes qu'on peut tailler comme les buis. Il est vraiment possible de faire tout avec. La rusticité est d'environ moins 5 degrés. C'est pas beaucoup. Et moi, j'aime beaucoup, effectivement, cette espèce de feuillage comme ça, très, très vigoureux. Ces floraisons qui durent très, très longtemps sur un nuage complètement dessiné. Son écorce qui desquame. En hiver, c'est presque orangé. Ces couleurs cannelle orangée. C'est très, très beau. C'est un des bijoux du jardin. Oh, alors ça, ça va vous donner envie de visiter le jardin de Stéphane. Myrtus luma. En toute simplicité. Stéphane, à présent, on quitte ton jardin pour celui de Pascaline, parce que vous le savez, dans notre rubrique Pas de panique, on vous aide à réaménager votre jardin. Mais aussi, on repasse vous voir. Et Pascaline, elle s'est donné du mal. Nous allons voir le résultat 2 ans après. Stéphane a rejoint Hervé, venu aider son amie Pascaline. Elle déplore un jardin tout en pente. L'eau de puits dévale jusque devant l'extension, d'où la vue sur le composteur n'est pas folichonne. Le dessin propose un mini-jardin en terrasse, planté sobrement. Est-ce que tout ça vous motive à jardiner? Carrément. Ah oui. Formidable. Donc, si je vous constate les choses, toute la pluie qui tombe ici, elle arrive ici dans le coin. Donc, voilà. C'est pas terrible. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a un drainage en dessous, c'est évident. Donc, on va faire un trou, on va mettre un géotextile, on va mettre du gravier de façon à ce que tout ça aille jusqu'au drainage. Très bien. D'accord. Ensuite, ici, on va installer nos arbres pour cacher la compostière et créer une barre, se servir de cette tranchée pour décaisser, faire une première marche, niveler jusque-là et décaisser. D'accord. Pour avoir une seconde marche. Bah, c'est parti. Hervé creuse une fosse pour rejoindre le tuyau d'évacuation des eaux pluviales. Pascaline et Stéphane commencent le terrassement en marquant le premier niveau. La terre est très collante. Il faut casser les mottes pour les décompacter. Hop là.
Mais c'est bien ce que vous faites, parce qu'il y a une marche, deux marches. Il ne faut pas que la terre soit en glacis, comme ça, vers la deuxième marche, mais qu'elle soit plutôt plus basse ici, de façon à ce que l'eau stagne ici et rentre dans le sol, avant de déborder là. Bon, on continue. Ouais, bah oui. Allez. Stéphane plaque un voile géotextile contre les parois de la fosse. Il empêchera la terre de se mélanger au gravier. Trois sacs d'un calibre moyen y sont versés. De cette manière, l'eau trouvera plus rapidement le chemin du tuyau d'évacuation. Hervé dispose un énorme lauriertin devant le composteur, le faisant ainsi disparaître. Il est aussitôt rejoint par un forcicia. Voilà. Eh bien, tu vois, c'est la fin de l'hiver. Et c'est encore le moment où on peut acheter des plantes dans des tontines. C'est pas complètement à racines nues, c'est une plante qui a été déracinée à l'automne, voire en milieu d'hiver, mise dans cette espèce de torchon ajouré, un peu comme une gaze. Et l'idée, c'est qu'en fait, d'abord, il n'y a pas de plastique, ça coûte beaucoup moins cher. Il est sorti de la terre dans laquelle il a poussé, directement, emballé dedans. Donc, il y a moins de choc. Et l'idée, c'est qu'avec le temps, ce tissu, cette gaze, moitié synthétique et moitié coton, elle se désagrège. Et de toute façon, il est suffisamment ajouré pour que les racines puissent passer au travers et puissent s'installer dans le sol. Les forsythias ne sont pas des arbres de grande valeur. Je trouve amusant de pouvoir les acheter de cette façon-là, de manière à ce qu'ils soient encore plus économiques. Et puis, c'est un peu écologique, quoi. Ça me plaît. La première marche de la terrasse est marquée par une bordure d'ilex crenata semblable à des buis. Des arbustes conduits sur tiges prennent place comme autant de verticales, des coussins de feuillage et d'autres en fleurs. La mise en place validée, tous peuvent être plantés. Au centre, trois arbustes nains, un genévrier, un laurier, un pin se font remarquer. Au bout de la terrasse, les bacs sont percés sur les côtés, puis arrive une couche de 10 cm de drainage, recouverte d'un voile géotextile qui évitera que les racines n'aillent pourrir dans l'eau. Le terreau est versé par-dessus, il n'y a plus qu'à planter. Toc. Voilà. Donc là, nous sommes devant une clématite montana, c'est la fin de l'hiver et elle est fleurie, c'est formidable. C'est une clématite qui est très, très, très prolixe, qui fleurit une fois par an, d'accord, à la fin de l'hiver comme à présent. Et qui peut, au bout de quelques années, partir comme ça, partout, partout. Le seul souci, c'est qu'elle va se dénuder du pied. Donc, quand tu en as assez de voir qu'elle se dénude de partout, 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 après la floraison, tu coupes là. D'accord. Là et là. Carrément, c'est court. Voilà, elle va refaire de nouvelles pousses qui fleuriront le printemps suivant. C'est une plante très facile à vivre et parmi les clématites, une des plus solides. Ah ouais, c'est très bien. Voici un feijoa du Brésil et son feuillage gris. Des lavandes pour agrémenter son pied, un pistachier lentisque, tous à même de supporter les pleins soleils et le vent. L'action se poursuit dans les carrés de potager, du terreau et de la fumure vont enrichir et compléter le substrat initial. Stéphane divise et replante les fraisiers pour leur donner une seconde vie. À côté, des soucis, dont les fleurs se mangent, vont éclairer le pied des tomates. Dans le carré des aromates, des billes d'argile sont mélangées au terreau qui sera ainsi plus drainant, ce qui conviendra parfaitement au thym et au romarin. Dans le dernier carré, Pascaline, accompagnée de sa fille, plante les incontournables salades. Derrière, une bordure de Convolvulus cneorum soulignera tout ça. Retournons dans la plate-bande. Les fleurs sont installées, en l'occurrence des primes verts, des bergénias, puis des graminées qui vont se fondre dans la couleur du paillis d'écorce de fèves de cacao étalée en épaisses couches. Voici quelques lanternes, il faut bien terminer en beauté. C'est fini ! Wow. C'est magnifique. Oh, c'est beau. Bah, c'est lui, bah écoutez, vous y avez mis du vôtre, hein. C'est vrai, mais le résultat est super. Hein. Là, de la véranda, la vue est, ouais, est parfaite. Le compost a disparu, c'est vraiment très beau. Puis c'est vrai que c'est un endroit dont on détournait le regard avant, et là, c'est le contraire, on a envie de regarder, quoi. Ça, c'est super. Ça fait comme un petit jardin, c'est un petit jardin dans un grand jardin. C'est très joli. Les plantes aromatiques dès maintenant, là, ça, c'est génial. Ouais, ça, c'est chouette. Ouais. Et puis avec le mur, là, ça fait beaucoup moins piscine. C'est magnifique. Bon, bah écoutez, j'espère que vous en profiterez avec vos amis. Ah bah oui. Hein. Merci d'être venu nous aider. Bah, merci à vous. Merci à toi, Stéphane. Merci. Merci, Hervé. Ok,
quelques heures, quel changement! En profondeur d'abord. En creusant une fosse permettant à l'eau de filer directement vers son évacuation, le pied du mur sera plus sec. En surface, le décor propose un jardin miniature, tout en sobriété, où les arbustes en coussin et conduits sur tige rythment l'espace. Au pied de la vitre, plus classiquement, les fleurs apportent de la couleur. La terrasse, pour sa part, ne ressemble plus à une piscine vide. Souhaitons à Pascaline et à sa famille d'y prendre du bon temps. Deux étés bien chauds, bien secs, deux hivers pluvieux. Comment les plantes ont-elles affronté tout cela? Comment le jardin a-t-il évolué? Pascaline, ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans maintenant. Waouh! Et donc, il y avait une histoire de compost qui devait disparaître. Il a disparu, hein? Il a bien disparu et on a une très belle vue. C'est bien! Vous avez bien entretenu tout ça. On a essayé de tailler comme il fallait, à peu près. Après, on a perdu une rangée d'ilex. C'était un pari, les ilex crenata. C'est une plante assez difficile à faire pousser, en fait. Quand il y a un petit peu de sécheresse, paf. Mais justement, à propos de sécheresse, vous avez pris les devants. Voilà, on a installé l'arrosage automatique. Et c'est grâce à ça aussi que ça a bien pris. Ouais, le laurier sur tige, là, il est rudement beau. Le laurier, effectivement, ce qui est bien, c'est qu'il cache un petit peu le mur des voisins. Donc, c'est vrai que c'est agréable. Oui, ça fait moins placard blanc. Ouais. Et du coup, pour profiter de ce petit jardin, on a voulu construire une terrasse. Et comme ça, on est bien entouré de verdure et c'est super agréable. Mais ça n'a pas dû être une mince affaire parce qu'il a fallu décaisser. Exactement. Sur à peu près 40 cm au fond. Ouais, ça a été du travail, mais maintenant, on est heureux, on en profite bien. Après, il manque un peu encore de fleurs là-bas. On a envie d'agrémenter un peu plus. En fait, c'est toc, 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 toc. Ouais. Là, on investit vraiment le jardin. C'est rudement bien. Vous êtes dans une sorte d'espace rudement végétalisé. C'est très agréable, oui. Vraiment, ça fait un cocon, en fait, maintenant. C'est bien. Ouais, je suis contente. Moi, je dis bravo. Merci beaucoup. En 2 ans, les plantations se sont densifiées. Le décor est planté, il s'est même complété. Les jardinières d'aromates parfument la cuisine. Le grand mur blanc s'estompe derrière une plate-bande joufflue, pleine de santé, au pied de laquelle le sol a disparu. Pour mieux en profiter, une nouvelle terrasse a pris place pour des dîners confortables au milieu des feuillages. La vue sur le composteur depuis la maison n'est plus qu'un lointain souvenir. Quand le jardin devient plaisir, c'est toute la famille qui sourit. Bravo Pascaline, tu fais la fierté de l'émission, mais aussi de Stéphane Marie. Attends, elle s'en est super bien occupée de son jardin. Chouchouté, dorloté, taillé aux petits soins. Et puis le jardin a pris un autre essor. Ouais, vraiment, bravo. Si vous aussi, vous avez envie d'avoir Stéphane chez vous, non pas une fois, mais 2 fois, c'est possible. Comment on fait, Stéphane? Il faut s'inscrire. Inscrivez-vous en pianotantfrance.tv. C'est aussi le moyen de revoir l'émission. On parlait tout à l'heure de potager en entreprise, mais on peut aussi faire un potager avec les enfants. Donc, je vous ai sélectionné ce guide, La botanique à hauteur d'enfant. C'est d'Alain et Marie-Jeanne Genevet. C'est aux éditions Rouergue. Alors, c'est un couple qui a écrit ce livre, Stéphane. Ils adorent se balader et avoir justement ces petites découvertes qu'ils notent et toutes les petites idées qui leur passent par la tête qu'ils ont compilées dans ce livre. Tu vas apprendre à faire des sarbacanes, des sifflets, mais aussi de découvrir les différentes plantes qui peuvent être un peu des plantes bonbons, des plantes amusantes pour les enfants. Donc c'est vraiment très bien fait à essayer donc avec les plus petits. Pour ma part, Jean-Michel Groult nous propose aux éditions Ulmer Désherber sans glyphosate, toutes les solutions bio. Et vraiment, vraiment, toutes les solutions sont là, les solutions alternatives, l'usage des plantes pour inhiber les adventices, les couvre-sols. Il y a plein d'idées. Ce que je trouve formidable, c'est que parfois, certaines idées que nous pensons être bonnes, voilà que tout à coup, Jean-Michel nous dit que y a mieux. Et ça, c'est important et c'est ce genre de conseil que j'apprécie. Eh bien, Stéphane, on va potasser un peu nos livres, alors. Potassons, potassons. Alors, à la semaine prochaine.